Marilyn, pour ETV, je suis aujourd'hui à Managua, capitale du Nicaragua, avec Olivier, un Français qui vit au Nicaragua depuis 6 ans. Il va nous parler de la mocoana et de la cucamonga. Bonjour Olivier, on va commencer avec la mocoana. Nous t'écoutons. Okay. La mocoana est une histoire fameuse au Nicaragua qui est du peuple de la Trinidad, au nord de Managua, à peu près à 2 heures de route. L'histoire qui racontait que la mocoana était une indienne, une indigène, qui était devenue amoureuse d'un espagnol, d'un colon espagnol. Et elle est devenue sa femme, et lui, apparemment, par jalousie, par problème, l'a fait enfermer dans une grotte. Elle est montée sur la montagne de la Trinidad, la grotte est toujours visitable aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, ils l'ont enfermée dans la grotte, lui, il est parti. Et elle est morte dans la grotte. Depuis cette époque-là, elle a toujours hanté la route de la Trinidad. Donc elle apparaît dans la nuit. Elle apparaît nue à tous les chauffeurs de voitures. Et elle fait arrêter les gens. Les gens s'arrêtent et se demandent vraiment ce qu'ils voient. C'est un effet supernaturel. Donc je ne sais pas si tu as des questions. Est-ce qu'il monte dans la voiture ? Non. Qu'elle monte dans la voiture ? Non, elle ne monte pas dans la voiture. La seule chose, c'est qu'elle effraie les gens ou par des réactions. Il n'y a jamais eu de mort ou d'accident causé par la mocoana, mais elle apparaît. Donc elle apparaît à certaines personnes, soit qui sont sensibles à la voir, et elle apparaît dans les rues de la Trinidad. D'accord. Est-ce que tu connais des gens qui l'ont vu, toi, personnellement ? Oui, bien sûr. Il y a pas mal de gens qui peuvent parler de la mocoana. Ouais. Tu peux aller à la grotte, si tu veux, rester la nuit, voir si elle apparaît. Mais la plupart du temps, elle apparaît sur la route principale, qui est la panaméricaine, qui continue sur Esteli, mais les heures de la nuit. Durant la journée, non. C'est la nuit. Elle apparaît la nuit. Très bien. Est-ce que tu peux me parler de la cucamonga ? La cucamonga. La cucamonga, c'est après Esteli. Donc vous prenez la route du nord qui va sur le Honduras. Quand tu sors d'Esteli, il y a une fameuse descente qui est assez dangereuse qui s'appelle la cucamonga. Elle a été appelée la cucamonga due à ce phénomène. C'est une infirmière qui apparaît la nuit et qui la plupart du temps fait du stop sur la route. Donc, à part que la route soit dangereuse, beaucoup de gens la voient réellement. Lui ouvre la porte, elle monte dans la voiture, elle monte dans les camions, et après, les gens, quand ils arrivent, elle a complètement disparu, quand ils s'arrêtent pour manger ou pour voir quelque chose, elle n'est plus dans la voiture, ou elle n'est plus dans le camion. Par contre, la mocoana, la cucamonga, il y a eu beaucoup de morts sur la route, soi-disant causées par la présence de la cucamonga. Mais est-ce que cette route est dangereuse en elle-même ? Elle est dangereuse en elle-même, mais c'est parce que la plupart, par exemple, il y a eu beaucoup d'accidents de camions qui s'arrêtent et qui prennent en stop la cucamonga. Elle est habillée en blanc, c'est une infirmière qui est morte dans la descente de la cucamonga et apparemment hante la cucamonga. Passe toute la nuit à hanter la cucamonga. Donc, beaucoup de gens, moi j'ai traversé beaucoup de nuits la route de la cucamonga ou la route de la mocoana et j'ai jamais eu ce phénomène. Par contre, il y a des chauffeurs de camions qui peuvent te raconter qu'ils ont pris en stop la cucamonga. Ils n'ont pas eu d'accident, mais il y en a d'autres qui ont eu des accidents causés par la présence de la cucamonga. Je ne sais pas si c'est dû à la peur, si c'est dû à un autre phénomène, mais apparemment il y a eu pas mal d'accidents de la cucamonga. Tu le vois dû à cet effort. D'accord. Est-ce que les gens du Nicaragua croient à toutes ces histoires ? Oui, beaucoup de gens croient. Il y a pas mal d'histoires supernaturelles où les gens y croient. Beaucoup de gens y croient. Et beaucoup de gens, si tu vois par exemple du transit, moi j'aime beaucoup rouler la nuit parce que les nuits, les routes sont vides. Parce que la plupart des gens, par exemple, quand tu descends la cucamonga ou que tu passes par la Trinidad ou la fameuse mocoana, les gens ont peur. Ont peur de la présence de la cucamonga ou ont peur de la présence de la mocoana. La mocoana, on sait qu'elle n'a jamais eu d'effet de mort. La cucamonga, si. Donc il y a beaucoup de gens qui ne roulent pas la nuit sur la route de la cucamonga. Ils préfèrent s'arrêter avant ou après. Alors il y a beaucoup de gens comme moi qui ne peuvent pas croire au supernaturel, mais il y a des gens aussi comme des chauffeurs du Guatemala, du Honduras, que c'est une route qui a beaucoup de transit,
qui veut continuer à rouler. Mais beaucoup des gens du Nicaragua sont très croyants sur ça. Donc ils s'arrêtent, ils préfèrent ne pas rouler la nuit. Sur cette route principale, qui est la Cucamonga et la route de la Mocoana. Est-ce que tu as entendu parler d'observations d'ovnis au Nicaragua ? Moi particulièrement, non. D'après ce que j'ai entendu, oui, il y a des apparitions d'ovnis, mais bon, comme je ne suis pas tellement mis dans ce secteur, donc je n'ai pas fait de demande de recherche. Jamais j'ai entendu d'amis qui m'ont dit qu'ils ont vu des ovnis au Nicaragua. Par contre, des effets supernaturels, oui. Comme la Cucamonga, la Mocoana, la Segua, ça oui. Mais les ovnis, non, je n'ai jamais entendu. Alors toi qui as beaucoup voyagé dans d'autres pays de par le monde, est-ce que tu as entendu parler d'histoires similaires, de dames blanches ou d'autres choses ? Non, le Costa Rica, oui, avec la Segua. Tu peux me parler de la Segua ? Bah, la Segua, apparemment, c'est une femme qui est habillée de blanc, qui apparaît aussi, elle apparaît beaucoup au Costa Rica, avec, comme tu avais dit, avec la tête de cheval. Avec la tête de cheval. Okay. Ici, au Nicaragua, c'est relationné aux sorcières. La Segua est relationnée aux sorcières. Voilà, donc la Segua, c'est une femme habillée en blanc qui a une tête de cheval. Voilà. Et ça serait plus une sorcière que ça. Ça serait plus une sorcière qu'une chose. Et en plus, elle recherche les âmes perdues. Elle ne recherche pas des bonnes personnes ou quoi que ce soit, elle recherche des âmes perdues. Donc c'est en fin de compte la fonction de la Segua. Et tu entends quoi par âme perdue ? Bah, par exemple, des âmes, on peut dire, comment tu pourrais dire, comme par exemple des alcooliques qui ne savent pas s'ils sont d'un côté ou de l'autre, les âmes perdues. D'accord, des êtres vivants. Ouais, des êtres vivants qui seraient ni d'un côté ni de l'autre comme un purgatoire. D'accord. On est au milieu de quelque chose. Mais on ne fait pas le bien ni on fait le mal. Donc elles, comme ils sont tellement débiles, ils n'ont pas de force. Donc, ils sont faibles. Ils sont faibles, donc elle prend ses âmes. Elle se nourrit de ses âmes. Mais c'est plutôt comparé au Nicaragua comme une sorcellerie. Sorcellerie, voilà. Sorcellerie, sorcière, c'est la Segua. Je te remercie, Olivier. De rien, avec grand plaisir, Marilyn. On vous revient.